Dans le monde actuel soucieux de l'alimentation, le jeûne intermittent est devenu une tendance populaire, offrant une gamme d'avantages allant de la perte de poids à l'amélioration de la santé globale. Mais que dit la science ? Faites-nous savoir en profondeur sur le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent est un régime alimentaire qui alterne entre des périodes de repas et de jeûne. Il ne précise pas exactement quels aliments manger, mais quand il faut les manger. Il existe de nombreux types de jeûne intermittent, chacun avec son propre horaire et ses avantages. Voyons les différents types. C'est le type de jeûne intermittent le plus populaire. Cela implique de jeûner tous les jours pendant 14 à 16 heures et de limiter votre fenêtre d'alimentation quotidienne à 8 à 10 heures. Par exemple, si votre dernier repas était à 20 heures, vous ne mangeriez plus avant midi le lendemain. Avec ce régime, vous ne consommez que 500 à 600 calories sur deux jours non consécutifs de la semaine, mais vous mangez normalement les 5 autres jours. Par exemple, vous pourriez manger normalement tous les jours sauf le mardi et le vendredi, où vous mangez deux petits repas. Cette méthode implique un jeûne de 24 heures une ou deux fois par semaine. Par exemple, si vous finissez de dîner à 19 heures le lundi, vous jeûnerez jusqu'à 19 heures le mardi. Dans ce modèle, vous jeûnez tous les deux jours. Certaines versions de ce régime permettent environ 500 calories les jours de jeûne. Ce régime consiste à manger de petites quantités de fruits et légumes crus pendant la journée et un gros repas le soir, essentiellement à jeun pendant la journée et à se régaler la nuit dans un délai de 4 heures. Regardons les principaux avantages pour la santé du jeûne intermittent. Amélioration de la santé métabolique et prévention du diabète de type 2. Le jeûne intermittent améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui permet aux cellules d'utiliser le glucose plus efficacement, abaissant la glycémie. Le surpoids est l'un des principaux facteurs de risque du diabète de type 2 et le jeûne intermittent aide à perdre du poids. Le jeûne affecte plusieurs hormones liées au métabolisme, telles que l'insuline, la gréline, la leptine et l'hormone de croissance humaine, qui aide à maintenir un taux métabolique sain. Amélioration de la santé cardiovasculaire. Des études ont montré que le jeûne intermittent peut aider à abaisser la tension artérielle, qui est un facteur de risque important de maladies cardiaques. Le jeûne intermittent peut améliorer les niveaux de lipides sanguins tels que le cholestérol et les triglycérides, qui peuvent contribuer à l'athérosclérose si les niveaux sont trop élevés. Autophagie. Il s'agit d'un processus de nettoyage cellulaire qui s'active pendant les périodes de jeûne. Cela implique la décomposition et le recyclage des composants endommagés dans les cellules, favorisant ainsi la santé et la fonction cellulaire. Amélioration de la santé cérébrale. On pense que le jeûne intermittent améliore les caractéristiques métaboliques considérées comme importantes pour la santé du cerveau. Cela comprend moins de stress oxydatif, moins d'inflammation et une réduction de la glycémie et de la résistance à l'insuline. Le jeûne intermittent peut aider à augmenter la croissance de nouvelles cellules nerveuses, améliorant ainsi la fonction cérébrale. Comment le jeûne intermittent aide-t-il à perdre du poids? Le jeûne intermittent entraîne naturellement une réduction de l'apport calorique. En limitant la fenêtre d'alimentation ou en jeûnant pendant de longues périodes, les gens ont tendance à consommer moins de calories dans l'ensemble, ce qui peut créer un déficit calorique nécessaire à la perte de poids. Pendant le jeûne, le corps passe de l'utilisation du glucose comme principale source de carburant à la combustion des graisses corporelles stockées pour produire de l'énergie. Ce changement métabolique se produit en raison de la diminution des niveaux d'insuline et de l'épuisement des réserves de glycogène. En puisant dans les réserves de graisse, le jeûne intermittent peut contribuer à la perte de poids.
Le jeûne intermittent affecte les niveaux d'hormones impliqués dans la régulation de l'appétit et le stockage des graisses. Par exemple, le jeûne peut augmenter les niveaux de noradrénaline, une hormone qui aide à mobiliser les réserves de graisse pour produire de l'énergie. De plus, le jeûne peut améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire la résistance à l'insuline et favoriser un meilleur contrôle de la glycémie. Cela peut aider à prévenir le stockage excessif des graisses et favoriser la combustion des graisses. Si le jeûne intermittent favorise la perte de graisse, il aide également à maintenir la masse musculaire. La recherche suggère que le jeûne intermittent déclenche une augmentation des niveaux d'hormones de croissance humaine, qui favorise le maintien et la croissance musculaire. La préservation de la masse musculaire est essentielle pour maintenir un taux métabolique sain et pour une gestion du poids à long terme. Certains craignent que faire de l'exercice pendant le jeûne puisse entraîner une faiblesse musculaire ou une diminution des performances. Cependant, des recherches ont montré que l'exercice à jeun peut en fait augmenter la combustion des graisses et potentiellement améliorer la santé métabolique. Pendant l'exercice à jeun, les niveaux d'insuline sont plus faibles, ce qui conduit à une meilleure mobilité et à la combustion des graisses. Cependant, il est crucial d'écouter votre corps. Certaines personnes peuvent se sentir étourdies ou faibles lorsqu'elles essaient un exercice à jeun pour la première fois. Dans de tels cas, il peut être plus avantageux de consommer une petite collation avant l'entraînement ou d'ajuster le moment du jeûne. Le jeûne intermittent n'est pas une question de règles strictes, mais de trouver un rythme qui correspond à votre style de vie et qui soutient votre santé. Soyez patient, faites des changements progressivement et privilégiez une alimentation équilibrée pour réussir à intégrer le jeûne intermittent dans votre routine. Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci.